Donc salut tout le monde, c'est Yalkaston 4 pour le 23ème épisode de Pokémon Éclat Pourpre. J'espère que vous allez tous bien, moi perso ça va super. Alors qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode? Eh bien on a fait le square duo. C'est un square dans lequel on fait que des combats duo. Et il me semble bien qu'on a fait tous les combats à part peut-être ceux-là. Mais on va les faire vite fait, mais d'abord on va passer au centre Pokémon parce que mes Pokémon sont bien amochés. On va voir vite fait quel combat on n'a pas encore fait, puis ensuite on va continuer à avancer tranquillement. Voilà. On avait fait le square duo et on avait aussi combattu la Team Rocket qui était dans la grotte du Mont Pic, un mont complètement enneigé et plutôt beau. Ah, et on a aussi capturé un nouveau Pokémon au Bali, le retour de notre cher Clappy, qui, je l'espère, assurera son rôle de Pokémon glace au. Donc un Pokémon qui va nous servir à congeler, à faire mal et à surfer surtout. Cascadé, plongée, peut-être plongée, hein, étant donné que c'est une ROM hack 3G, enfin que c'est une ROM hack rouge et bleu. Oula, il y a un petit bug là, non? D'accord. Ouais, bon c'est pas grave, c'est un détail. Je sais pas si vous avez vu, mais le monsieur qui est comme ça là, bah, il était pas tout à fait là. À nous deux, on est les plus fortes. Vous n'avez pas déjà combattu cela? Ah, lui contre le type glace, c'est x4. Alors lui il va faire hop sur ça, et lui il va faire hop sur celui. Alors, est-ce que je tourne le prochain épisode de Pokémon version éclat pour. Enfin, l'épisode précédent n'est pas encore publié, mais il le sera dans 10 minutes, soit à midi. Et j'espère que cet épisode-là sera publié le même jour. Histoire que je puisse rattraper mon retard d'un épisode. Parce que généralement, j'essaye de sortir 2 épisodes par semaine. Mais j'ai accumulé un petit retard de pas grand-chose. Ah, Clappy niveau 32. Déjà? Ah bah génial! Début d'épisode, il est à peine venu en obélique, il évolue déjà en Fogler. Eh bien écoutez les gens, tant mieux. Peut-être qu'on va pouvoir le voir à l'œuvre tout de suite. Peut-être. Félicitations, votre Clappy a évolué en Fogler. En fait, on peut revenir quand on veut. D'accord. Pourquoi pas. Bon, j'ai pas trop envie de faire ça toute la journée, hein, mais... Pourquoi pas, écoutez. Hop. Ça peut être intéressant. Bon, Géranium qui est monté niveau 40, du coup. Zénith. Il intensifie les rayons du soleil. Voilà. Je vais voir quel Pokémon n'est pas encore au niveau 40. À part Clappy. Paf. Personne n'est pas encore au niveau 40. On va foutre Whistipole et Clappy en premier. Un petit peu s'il peut s'en sortir. Toi, on t'avait pas fait. T'es allé bien loin dans le square du haut, toi. Ouais. Maniton, il me broie. Ok. Hein? C'est sur tout le monde. Onde boréale. La glace, onde boréale, plaquage. Ouais. Backglass, je pense que ça va être plus puissant, je crois. Bon, déjà lui il est mort. C'est déjà bien. Cage éclair sur Whistipole. Backglass, il rate son attaque. Coup croix, Backglass, tonnerre. Je crois que les attaques électriques sont intensifiées quand le Pokémon est paralysé. Ah non, c'est pas très efficace. Ah ouais, d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave, on l'a tué.
Donc en gros, s'il avait fermeté, bah il aurait pas eu lieu de résister. Niveau 33, ça il rattrape plus vite, hein. Il rattrape très vite, Clappy. Très très vite. Et tant mieux. En gros, c'est dire que non seulement on peut faire autant de combats qu'on veut, mais en plus de ça, on peut gagner masse d'argent à force de combattre. Ce qui fait qu'actuellement, j'ai déjà 50, presque 50 000 Pokédollars. Et bah écoutez, tant mieux. Mais bon, on va peut-être pas abuser de ce square. On reviendra plus tard. Limite, je ferai hors épisode des entraînements ici. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être carrément mieux, et puis en plus de ça, je gagne de l'argent. Donc au final, à la fin, je finirai pas être riche. Pas être riche, et en plus de ça, avoir des hauts niveaux. J'aurais dû faire ça pour Clappy en vrai. Mais bon, je suis tout juste au courant. Du coup, ce qu'on va faire, on va avancer dans l'histoire un petit peu. On va avancer dans l'histoire un petit peu. Oula. Ou qu'elle a sorti. Allez, elle a sorti. Allez, c'est parti. Parc Fleury. Ok. Christian. Bien le bonjour, jeune homme. Je m'appelle Christian, ancien bûcheron. Tu m'as l'air fort et vigoureux. J'aurais besoin de quelqu'un comme toi. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Tu sais, j'ai été bûcheron dans le temps. J'étais assisté par deux Pokémon. Nous formions une sacrée équipe. Mais l'un d'eux a eu un accident et je n'ai plus eu l'occasion de revoir ce type de Pokémon depuis longtemps. Il s'agissait d'un insécateur, un Pokémon assez rare. Il semblerait que l'on puisse en voir dans ce parc, mais au vu de sa rareté, je n'en ai jamais vu aussi. Je te serais reconnaissant si tu m'en montrais un. Pour la peine, je vais te céder ma vieille hache pour que tu puisses participer au mini-jeu du parc ou couper des arbres sans la CS-coupe. Ok, je m'en charge. Ah d'accord. En gros, d'abord on capture un insécateur et ensuite il nous donne l'âge. En fait, je crois que j'ai compris un peu le système de ce jeu. Ils essayent un petit peu de remplacer les CS par des objets, un peu comme Roucarnage qui remplace Vol et la CS Coupe, la hache qui va remplacer la CS Coupe. Intéressant comme concept, hein. Du coup, y a-t-il de ressort au moins? Y a-t-il des hautes herbes? Ce serait bien. Ah salut, je m'appelle Gold, je suis un dresseur de Johto. J'ai été envoyé ici par le prof Orm. Au calme, lui en fait il est là en mode PNJ le mec. Vous croyez qu'on va le revoir? C'est dommage qu'il soit en mode PNJ. Parce que déjà qu'il y a Silver qui est là un petit peu en mode rival, mais Gold il est là comme un sac poubelle inutile. C'est dommage pardon. Es-tu un dresseur toi? À la chasse aux insécateurs. Est-ce que j'ai des balls au moins? Coxyclac. C'est à peu près le bruit qu'il fait. On dirait un canard qui queen. Tu sais les canards en plastique. Canard en plastique dans les douches, j'en ai jamais eu. On s'en fout. C'est presque le même bruit. Ça va être chaud par contre si j'obtiens un shiny. J'ai pas envie d'avoir le shiny. À la chasse aux insécateurs. À tous les coups, de toute façon, je suis obligé d'avoir un insécateur pour avancer dans l'histoire. Parce que peut-être que ce monsieur-là nous bloque la route vers la sortie de ce parc. Ça sera un peu con, mais bon. Allez, insécateur, montre-toi. Papinox. Lui, je l'ai enchaîné. Comme Papy. Non, pas Papillusion. Je voulais dire, comme Charmion. D'ailleurs, j'ai eu plein de shiny cette semaine. J'ai eu un Gloopty shiny. J'ai eu un. J'ai tout juste de l'avoir. Kecleon shiny. Kecleon. Avec Protéa en plus. J'ai eu qui d'autre? J'ai eu Makuhita shiny. Qui sont tous dans ma DS actuellement. Encore allumés.
en train de charger. Du coup, ça peut être intéressant de vous les montrer. Mais j'ai un petit peu la flemme, du coup, non. On fera ça après un sécateur. Qui sera sans doute shiny, j'espère. Si c'est ici les shiny, bah je le donne. Non, je déconne. Allez, un sécateur, montre-toi. Où t'es un sécateur, où t'es? Où t'es un sécateur, où t'es? Où t'es un sécateur, où t'es? Où t'es, où t'es? Où un sécateur, où t'es? Ouais. Je sens que, cette chasse va être chiant. Très très chiant. Dégage, Dardanion. C'est pas toi que je veux. En vrai, Dardanion, il est moche. Il est vert en shiny. Donc il est moche. Très moche. Ah putain, j'ai eu un petit doute, mais en fait, non, c'est un Scarabot. Chaque fois qu'on voit un nouveau sprite qu'on n'a pas encore vu, et ben bah, ça nous fout le doute du Pokémon qu'on cherche, alors qu'en fait, non. C'est mental ça, mais c'est casse-couille surtout. Eh, je suis sûr que l'objet qui remplacera Surf, ça sera une Pokéball avec un low class dedans. Bah, après tout, ils ont fait la même pour Rocarnage, pour la CS Vol. Ils ont remplacé par une Pokéball avec Rocarnage dedans. C'est intéressant comme concept. Hein. Ça nous permet d'avoir évité de capturer des CS clubs. Ortide. Dégage, Ortide. Tu es moche. En plus, son shiny est encore pire. Quoique, non, en fait, non, ça passe en Ortide shiny hein, quand même. Il est mieux en shiny qu'en normal. Et il y a Tron. Il est moche, il y a Tron. Enfin, de ce sprite là, il est moche. Mais sinon, de base, il est beau. Un sécateur! Pas shiny, dommage. On va y aller doucement. J'espère que t'as plus de 40 points de vie, toi. Ça va. Il se gonfle. Pokéballs. Oui. Ah, même pas, je me suis fait troller par un insécateur. Poursuite. Ouais, ta gueule. En plus, t'as un coup critique, fais pitié. Oui. Ah, mais rentre, nom d'une pipe. Vieille expression de vieux. Vieille expression de vieux. Ouais. 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 Ah, j'en ai marre de ces Pokémon là. Toujours à me troller comme ça. Bon, allez, Super Bowl, parce que là ça me saoule. Rentre, pardon. Voilà. Je ne vais pas le garder dans l'équipe, même si je dois avouer qu'il est assez intéressant comme Pokémon. Mais c'est juste pour montrer au petit monsieur histoire que j'avance dans l'histoire. En vrai, elle est belle la musique. Hein. Bof, je dois faire plusieurs cent milliers d'allers-retours. Merde, c'est pas là. Juste pour montrer un insécateur. Puis ensuite le remettre dans le PC. Déplacer. On va prendre insécateur. On dépose Fogler 2 minutes. C'est vrai qu'il y a le multi-X, j'ai complètement oublié. Paf. Merde, qu'est-ce que je sens? Non, je me fais troller par les routes, vous vous rendez compte? Allez, petit monsieur. Ah, tu me l'as amené, merci Geno. C'est bien pour moi. Ah oui, c'est pour toi. Ah, tu me sauves la vie. Tiens, en échange, prends cette hache. Hache. Je suis devenu bûcheron à mon tour. Ah, et si tu veux essayer un truc sympa avec ta nouvelle hache, viens me voir. Il s'agit d'un vieux jeu de bûcheron.
Tu aimerais? Tu aimeras. Ah oui d'accord, en fait non, il bloquait pas la route en fait, c'était juste une petite mission à la con pour avoir une hache. En gros j'ai pas besoin d'avoir un Pokémon qui a coupe. C'est tout. Regarde par exemple. Non c'est pas coupe que je vais utiliser. Apparemment j'ai déjà coupe. J'ai complètement zappé mais c'est pas grave. Pas grave. On a eu très tôt à mon avis. Ah bah oui c'est vrai. C'est vrai parce que si j'ai pas eu coupe je serais pas là. Ah bah du coup je l'ai pas donné. C'est nul. Du coup je suis obligé de me taper la présence d'un sécateur dans la boîte. Vous allez voir à la fin du let's play je vais avoir 300 millions de Pokémon inutiles qui étaient là juste pour remplir des quêtes. Je suis sûr que ça va se passer comme ça. Allez c'est parti, cette fois-ci on y retourne pour vrai. Donc on pourrait faire le mini-jeu en fait. Hein. Ça peut être sympa, ça se trouve on va gagner un petit truc derrière. Ça peut être intéressant. Allez on y va. Combien ça coûte? 1000 Poké-Dollars la partie. Pas intérêt à perdre. Hein. Panopic. Est-ce qu'on peut les fuir? Il est type insecte ou insecte acier? On va voir ça. Je loupe mon attaque. Il fait tout rapide. Coup de croix. Oui, il était de type insecte seulement. Destruction, il va me faire très mal. J'ai résisté. Ah merde, c'est pas bon. Encore des pommes de pique. Et si je fuis, qu'est-ce que ça donne? S'il est que de type acier, insecte, ça devrait lui faire très mal. Ah, je déteste que ça me fait ça. Bélier. Il prend cher mon Whistler. Hein. Il a perdu 90% de ses points de vie. Est-ce qu'on le mettrait? C'est une bonne question. On va prendre Epona en premier. Quoique Saucisson aurait fait l'affaire aussi. Hop, on lui fait Flamèche. Voilà. C'est stabé, c'est sa faiblesse. Au calme. Ok. C'est tout. Si tu tombes sur 3 bestioles, tu perds. Ah, c'est chaud. Est-ce que c'est programmé? Ah, celui-là il est gagnant. Il y a des millions d'arbres. Ok, celui-là il est gagnant. Merde, celui-là est pas gagnant. Si je tombe sur 3 bestioles, je perds. En gros, faut pas tomber sur les bestioles. C'est chaud quand même. Celui-là est peut-être gagnant. Non, il est pas gagnant. Donc là, c'est ma dernière chance après. Si je retombe sur une bestiole, je suis mort. J'ai perdu. Est-ce qu'ils sont aléatoires ou est-ce qu'ils sont programmés? C'est une bonne question. Celui-là, je les ai déjà fait de base. Celui-là, je l'ai pas fait. Il est peut-être gagnant celui-là. Bravo! T'es bien un bûcheron dans l'âme. Prends ce charbon et cette baie. Juste pour ça? Ça coûte plus cher que. Quoi que tu veux me dire? Vous allez me dire, le charbon ça coûte quand même 5000. Environ. Non, 9000, je sais plus gros. Je sais plus combien. Bon, tant pis. Enfin non, charbon c'est un objet qu'on donne à un Pokémon de type feu. Afin de lui accroître sa puissance. C'est nul.
Je m'attendais à autre chose, moi, un mini-jeu comme ça. Bon, du coup, il y a quoi au fin fond de ce parc fleuri? Oula. Je sais pas c'est où là. Wow. Ah, peut-être ici. Il y a quoi là? Que dalle. Est-ce que ce parc serait de l'arnaque? Et qu'est-ce que c'est que ces panneaux? Je suis occupé à la... Laisse-moi. Ouais, moi aussi. Moi aussi je suis occupé à chercher mon chemin. À quoi sert cet endroit? Il y a un truc au milieu. Un petit îlot au milieu qui me fait poser des questions. On peut pas surfer, on peut rien faire. Quel est le but de ce lieu? Je ne comprends rien. Ça va me faire péter un câble, je vous jure, ça me stresse. Bon, tu connais mon mari, hein, le fabricant, ouais, je l'ai croisé, j'ai même gagné à son jeu. Oui, je t'ai déjà vu, toi. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est juste un lieu de détente en fait, y'a rien. Y'a rien au bout. Y'a rien du tout. C'est de la merde. Ouais, je vous jure. Ouais. Et là-bas, y avait pas rien. Il n'y avait pas quelque chose de vous? Non, il n'y avait rien. C'est pareil. Oh là là là. Bon, la carte. La carte me dit que je suis là. Je suis là. Je suis au parc fleuri là. Je suis sorti de cette ville. Par là. À la route 9. Par où on sort par la route 9? Ou quelle est la route 9? Oh, que je pète un câble. Est-ce que la route 9 serait par là? Est-ce qu'il faudrait traverser? Il me semble qu'on avait déjà fait le tour du square. Hein, et qu'on n'avait rien trouvé. Que c'était... comme ça. Ouais, je vous jure, les gens, je suis perdu. Hein. La grotte du Mont Pic, il y a un... Attendez. Faut le trouver quand même, la sortie. Hein. Tu te diriges vers le Parisien, hein. Moi, pas moi. Faut la trouver, la sortie. Elle est bien cachée. Hein. Elle est bien cachée là où il faut pas. Ça m'énerve, ce genre de choses. Ratatac. On n'a pas soigné au Pokémon. Hein. Ouais, on n'avait pas soigné au Pokémon, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. La chouille. Ok. No King. No King versus No King.
Non, c'est pas raisonnable. Quoique. Qui tente rien à rien. On va lui faire une petite attaque Gigasanksu. C'est x1 du coup. Séisme. Il va pas du tout me faire mal. Moi je vais le paralyser. Il a pas poison ce con. Est-ce que je l'ai paralysé? Pour de feu c'est pas stabé. Le poison qui agit. Plaquage. Voilà. Voilà. Un reste. Bah non c'est x1. C'est x1. Non c'est x4 du coup. Sol haut, x4, giga sanctu, c'est stabé, c'est x4, c'est sa faiblesse. Je récupère masse de points de vie. Cactuum. Epona. Paf, la mèche. T'as le tue, one shot. Bon, c'est un coup critique, donc c'est normal. En vrai, Flamèche, faut pas douter de Flamèche. Pouvoir de Flamèche. 34, ok. Pouvoir de Flamèche. C'est tellement puissant que tu redoutes sa puissance. En vrai, c'est chaud hein, quand même de trouver la sortie. Hein. C'est carrément chaud. En fait, je me pose quand même une question. Un bûcheron qui a un Charter, qu'est-ce qu'il peut bien faire avec un Charter, le bûcheron? C'est bien la question que je me pose. Hein. Peut-être du charbon. Ah, un cuisinier. Allez, petit dernier dresseur. Ah ah ah, tu as l'air coriace, toi. Un cuisinier ou un marin, je sais pas. Mais c'est un marin. On nous aurait dit presque un cuisinier. Avec la toque et tout. Bec Ipan. Epona. Ce n'est pas une bonne idée de le laisser, de le laisser. Ce n'est pas une bonne idée de le laisser combattre. Sol, non. Saucisson. Vibraqua. Il m'aurait tué. Bah, il m'aurait rendu confuse. Allez, utilise Aerial Peak. Voilà, j'ai mis de life, il me fait cruel. Vol contre vol. Je me blesse pas. Cruel. Je l'ai presque tué. Vibre à quoi? Il intensifie ma confusion. Ah bah non, au contraire, il me l'en retire. Ok. Ok, Tartare. Géranium au combat. Tranche herbe. Ok. Éboulement. Tranche herbe, encore une fois. Ok. Tartare éliminé. Mac Onier. Eh bien, on renvoie saucisson, mais cette fois-ci, on a intérêt à le one-shotter parce que sinon, on est mort. Yeah. Vous voyez un petit peu la force du Mac Onier qui. Comme ça. J'ai pas du tout de muscle, moi non plus. C'est con. Bon écoutez les gens, c'est la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura plu. Et si vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter pour créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner pour suivre toutes mes autres aventures sur ma chaîne YouTube. Suivez mon Twitter, likez ma page Facebook. Et c'est YaKa64, donc salut tout le monde.